Bonsoir à toutes et à tous, et donc vidéo du deuxième épisode de la série Red Tarkov, présenté par Battlestate comme c'est écrit sur l'écran. Et donc vidéo réaction, hein, comme le premier. Et je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente que j'ai faite sur ma chaîne, à chaque vidéo maintenant il y aura une photo d'un jeu vidéo aléatoire qu'il faudra reconnaître et marquer directement dans les commentaires le nom du jeu avec son année de sortie, le premier. Qui trouve la bonne réponse gagnera un point et en fait on va cumuler tout au long de l'année et à la fin de l'année on fera gagner des gros lots comme des écrans PC, des télés, etc., des claviers, etc. Les trois premiers gagneront un lot. Donc voilà, donc c'était juste parce que je sais que ma communauté est beaucoup basée sur Tarkov et que vous regardez les vidéos Tarkov uniquement. Mais je vous invite à regarder l'autre vidéo d'avant pour avoir plus de détails sur le truc. Voilà. Donc là, on est parti pour 14 minutes sur le Tarkov Raid 2, épisode donc la série faite par Battlestate. Donc là, on est un peu en flashback. Le soldat qui se prend un serment par sa copine. Enfin, je crois que c'est sa copine. C'est la deuxième fois que je le regarde. Hein. On voit du lourd, de toute façon, c'est tellement du lourd que. Les décors, c'est magnifique. Enfin, je sais pas c'est quoi le budget, faudrait que je le trouve. Mais ce qu'ils ont fait, c'est juste démentiel en fait. Je le répète, j'ai beaucoup répété sur les épisodes parce que, en fait, à chaque fois que je le regarde, c'est impressionnant quand même. C'est un peu dur parce que je sais que. C'est la suite théorique du 1, hein. C'est la suite logique. Les mecs, nos réactions, les mecs, oh! Bah. Il est mort en fait. Émotion zéro. Bon, après, il faut dire que dans le contexte d'un combat comme ça, peut-être qu'il n'y a pas le temps de faire dans le sentimental. Ou alors, c'est le caractère des Russes, mon pote! C'est joli, hein. Là, il y a de quoi faire des belles wallpapers, guys. Wallpaper. Одна, а на той стороне железки мы сняли еще одну пулеметную лёжку. Обе ждали вас. Вот суки, продуманные гады. Походу, Скиф оказался прав. И если бы не фарт, нас бы раскуярили по эти два расчета. Наш фарт обеспечили вон борс с атлетом. Хорош гноби Скифа, блин. А ты считаешь, что проебать вылет группы на задачу? Да хуя доблесть, да? А меня там не было. А вот когда по нам в ангаре из РПГ захуячили, я был. И если бы не Скиф, то я бы сейчас не стоил 104. Вперед. Атлет, так что там у нас по группе Скифа? Да вообще никаких следов. Мы все обыскали. Результат хуй. Да, херово. Нужно проверить еще пару резервных точек. Мои пацаны просто так исчезли. Конечно, могли. Мы их найдем. Уходим. On trouve toujours des voilà des magnifique. Ils ont dû quand même un sacré bordel. Après peut-être qu'en Russie c'est moins compliqué de trouver des hélicoptères ou alors peut-être qu'ils ont dû louer le dépôt, je sais pas. Franchement c'est quoi qu'il fait. Je sais pas s'il y a une vidéo making of, je pense pas, ou alors je suis pas tombé dessus. Mettez-moi un commentaire là sur ça. Чем в реальности занимается этим мразь? Потому что миру нужны весомые доказательства. А у наших типа невесомые. Политики, блядь. Il a raison, ça. Il a raison. Проблемы дома должны оставаться дома. Да, я знаю. Но ты также говорил, что возвращаются лишь те, кому есть куда вернуться. Да.
На вылет-то еще есть время, но тебе прямо сейчас нужно решить, с кем ты. Ouais, faut que tu fasses un choix, mon grand. T'as Zouz ou le fight? T'as un russe ou pas, là? T'es un beer? Marquise, Marquise. Это вы... Выдра, прием. Marquise, Marquise. Это выдра, прием. Ну что, голяк? Глухо. Это единственное место на маршруте, где мои парни могли бы закрепиться. Allez, les armes et tout, putain. Проверку нужно время, у нас юсейки на хвосте. Объект сложный. Будем чистить в попыхах, снова потери будут. И что, мы просто пройдем мимо? А если я прав? Если мои парни там, если они ранены? Très solidaire, les Russes, hein. Такую же хуйню загонял, когда нас на тот ангарчик вывел. А я демона знал еще с армейки. Отставить разговоры, Ворон. Скиф прав. У нас есть задача, и мы будем ее выполнять. Готовьтесь. Alors, je sais pas si c'est... Enfin, je suis pas peut-être flic une go, mais... Ça ressemble à une maison sur soit Shoreline, soit Custom. C'est ça, c'est du Shoreline. Ouais, je pense pas qu'ils ont regroupé non plus les maps. Hein. À l'identique, ça serait compliqué là, vraiment, il y aurait du taf de ouf. Mais bon, c'est, ça ressemble plutôt à un petit shoreline là. Hein. T'as les scoffs, s'ils étaient aussi simples à tuer, ça serait cool. Par contre, ça serait cool de le faire, genre, tu sais, tu as un scav. Il faudrait qu'il fasse genre un scav qui, tu sais, quand il se prend un impact, après il tombe par terre. Et puis Et puis tu sais, ils sont un peu blessés et tout. Je les achète. Так, парни, вам 4-1 еще около 10 секунд заходит. Вот же твари. Ох, ебать. Тут еще и дичь подбежала. Ну сейчас, блядь, наших там точно раскуячит. Все, выдвигаемся. Форш, форш, мы идем к вам, идем к вам. И сказали, стой, стороны! Все, Эльфиса! Piquez le nez, sa grand-mère. Il a pris cher sa mère. Ah, vite, il a traîné le sang qui laisse par terre. Oh, voilà, il l'a pas encore. On retourne une salle, il y a sa jambe qui dépasse. Отряд! Убейте! 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 Убейте!
Ça me fait penser un peu à l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Où genre tu peux pas t'attacher à un personnage, c'est pas possible parce que... Ils meurent tous en fait. Bien pris dans l'action en fait, hein, c'est impressionnant. Hein. Même si c'est un peu confus, bon, on sait que c'est du PVP quoi. Mais on sait que dans le jeu, le PVP ça dure pas aussi longtemps que ça. Parce que c'est pas fluide. Connard! Ah, l'humour de russe. On va tuer des milliers de gens et on va demander à ma mère si je peux sortir. Commandeur, à vous de bien. Bon, c'est russe. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein, parce que les mecs sont pas très bons. Mais bon, c'est Tarkov, donc on aime, même si vous foutez des Teletubbies, donc il ferait quand même. Oh, qu'est-ce que c'est triste, j'ai envie de pleurer. А где Бирюзская группа? Мы грузиться сейчас должны. ЧВК, что ли? Так вон они! Наши вылет только через час. Так говорят, ваш командир переиграл все. Но пораньше. Il était dépourvu de... Ouais, rentre chez toi, on va faire un Tarkov. Tarkovien. Soldat, on va vous. Ouais, c'est ça qu'on aime, frère. Bon, bah, deuxième épisode super sympa, hein, comme d'habitude. On est pris dans l'immersion, on retrouve un peu le délire Tarkovien. Au calme, quoi. Nikita, Loskutov. Donc, un très bon épisode, un peu moins d'action que le 1, ça me semble. En tout cas, le 3, que j'ai vu une fois, est bien plus ouf aussi. Et donc, on se retrouvera pour un troisième épisode. Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, n'oubliez jamais. Et participez au jeu, très important, je le mettrai maintenant systématiquement dans la description de mes vidéos. On se dit à la prochaine, banzai.